Amen. Amen. Alléluia. On nous dit merci, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous saluons mes bien-aimés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous réunissons un moment pour nous tendre voix, Seigneur. En nous ouvrir que nous, pour nous tendre voix, Seigneur. Je m'invite à mettre debout pendant que vous avez ouvert la Bible avec moi. Dans Matthieu, chapitre 10, le verset 16. Merci, Seigneur. Matthieu 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Amen. Dans l'autre portion d'écriture que nous joignons dans Proverbe, chapitre 14, le verset 15, qui dit, yon moun sot ap kwè tout sa yo dil, mais moun ki gen kompran, veye kote la pmete piel. Amen. Amen. Simple, kwa tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Amen. Adorable Père Saint, Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous nous remercions, Père, pour parole, et nous demandons ta prière bénie par ça, afin que chaque petit tout qu'il a va édifier et non va glorifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Si, Seigneur. Soyez donc prudents comme les serpents. C'est parole ça que l'Éternel a voué pour nous depuis le commencement, moi, mes bien-aimés, pour nous faire voyage là autour de thème ça, la prudence. Et la fois dernière, nous t'avons vu avec vous comment l'important pour nous prudents dans la relation avec l'autre monde. Comment pour nous prudents dans la relation interpersonnelle? Et je dis, après, c'est mieux, nous allons regarder ensemble relation nous, prudence dans la relation nous avec bon Dieu. Car parole bon Dieu dit nous, nous regarder dans le verset de support là. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Et si on définit, mes bien-aimés, prudence comme une vertu cardinale, et vertu cardinale, ça, il allie, force, l'esprit, avec faculté discernement. Ça veut dire que li à la fois intellectuel et li à la fois moral. De l'autre côté, il dit que prudence là, il désigne tout une sagesse pratique qui disposait raison à la connaissance de la vérité dans la conduite de la vie. Alléluia. Et il fait nous comprendre tout que la vertu de prudence ne se confond pas avec la timidité ou la peur. Ça veut dire que prudence, c'est pas timidité. Il ne faut pas confondre prudence avec timidité. Et il faut ne pas confondre prudence tout avec la peur. Et c'est ça pour la Kaino traduit clairement lorsque il dit non, précaution, pas capon. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, l'important pour garder aujourd'hui, hein, l'homme simple croit tout ce qu'on dit,
Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Et voilà que, vous savez, enfin, on connaît que la vertu de prudence ne se confond pas avec la timidité ou la peur. Mais comment pour nous prudents dans nos relations avec bon Dieu? Parce que nous prudents à tête nous, nous fait preuve de prudence dans nos relations avec tête nous. Nous fait preuve de prudence dans nos relations nous avec prochain nous. Et voilà que nous arrivons dans prudence dans nos relations avec bon Dieu. L'homme garde des paroles bon Dieu dans 2 Corinthiens 13, le verset 5. Il fait connaître que nous devons examiner nous pour nous si nous dans la foi. Il dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Donc, nos relations nous avec bon Dieu, mes bien-aimés. Qui sa parole, bon Dieu, dit? Qui sa parole, bon Dieu, dit nous, qui pour faire nous prudents dans nos relations nous avec bon Dieu? Ça veut dire que l'enga de la li dit nous, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Là, nous gardons nous que la Bible dit nous clairement pour ne pas illusionner nous sous question la foi, sous foi nous. Et ça, qu'elle peut le dire ou plus loin dans 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Devant épreuve de mes bien-aimés, la vie chrétienne, son marche que lié. Et dans marche ça quoi faire, gagner toute qualité obstacle là-dedans. Ou faire face à toute qualité, tempête, cyclone, tsunami, yo vin sous toute forme dans marche là. Li mande prudence et li mande pour lucide. En pile fois, nous dit non nous solide, nous gen la foi, nous jam, nous gon foi solide. Nous pas peur rien, pas gen rien qui ka toucher, nous pas gen rien qui ka ébranler nous. Nous ka risquer nous sur n'importe terrain. N'importe gens liés, nous cap aventurer nous cap aventurer sur n'importe terrain, même l'elle paraît dangereux, nous cap poter bourrer nous parce que nous gain la foi. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Devant les épreuves de la vie, la prudence doit faire place à la lucidité. Chrétien est pas fou le fou ou pas fou ou de lucide dans action ou de lucide dans pensée ou de lucide dans parole. La Bible évite nous pour nous rester simple et discret. Ça qu'elle dit simple comme les colombes. Simple comme les colombes. Donc prudence mes bien-aimés dans relation nous avec bon Dieu. Mes bien-aimés, c'est de nous redire que la vraie relation lui fait référence à intimité. L'homme n'a une vraie relation avec mon Dieu, ça veut dire que moi, une relation intime avec mon Dieu. Ce n'est pas une démonstration de spiritualité que lié. Et ça fait, il dit nous, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Il y a des gens qui ont servi bon Dieu pour faire mon ouais. Il y a des gens qui ont servi bon Dieu pour faire mon ouais. Il y a des gens qui ont servi bon Dieu, c'est show off. C'est pour montrer. Non, ne soyez pas
comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Matthieu 6, 5, 6. À ce sujet, mes bien-aimés, prudence, hein, l'événement de nous là, pour nous prendre en compte conseil que l'apôtre Paul ben nous, dans Romains chapitre 12, verset 3, lorsque il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Pas gonfler l'estomac, alléluia. Pas monter tête tout, pas d'où pi chrétien passer tout chrétien, ou pi gros, ou pi oublier plus la foi passer tout le monde, ou pi tof passer tout le monde. Non. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Apôtre Paul pas dit là pour pas croire dans tête tout, non. Il pas dit pour pas croire dans tête tout. Mais les deux pour gagner des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Pas by tête tout, une foi qu'on pas gagner. Pas mettre tête tout dans le niveau qu'on pas y. Pas monter, pas longer. Que là d'où, proverbe la kay dit nous, pas croquer djakou tout, côté pour être tout, pas arriver. Pas gonfler l'estomac ou dim café m dis m date ou ap tombe. Prudence dans relation nous avec bon Dieu, li invite nous mes bien-aimés à discernement. Nous te wel li retourner encore. Donc c'est ça que fait apôtre Paul vient résumer pour nous mes bien-aimés, li résumer état d'esprit que qui doit animer chrétien. Hein. Et ça qu'elle dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Alléluia, Philippiens 1er, les versets 9-10. Merci Seigneur. Gandhi, dans une parole qu'elle t'a prononcée, Gandhi t'a dit, l'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. La vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit. Mais bien aimé, prudence dans relation avec bon Dieu, n'est pas capable de faire économie dans conviction. Parce que cette conviction, ça a laissé tout, laissé en même temps un acte de foi. Conviction qu'on gagne, hein, qui fait qu'on gagne colonne vertébrale là, sont actes de foi que liés. Nous devons exprimer nous, très simplement, devant n'importe monde qui a contesté, n'importe monde qui méprise nous, n'importe monde qui est agressif, on doit connaître soit dire. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Alléluia. Et sa conviction, c'est acte de foi. Dans Jean chapitre 9, le verset 7, il dit, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et que tu connais, tu es aveugle, mais je dis à lui, ouais, il n'y a pas besoin de connaître, soit penser, soit pas penser. Donc, pour Dieu, mes bien-aimés, dans la relation avec mon Dieu, il voulait pour authentique, pour vrai. L'observer, mon Dieu, faut vrai avec mon Dieu, faut pas sous bluff avec mon Dieu. L'observer, mon Dieu, faut qu'on authentique dans la relation, dans l'intimité avec mon Dieu, faut qu'il pas gagner, show off la donne, faut vrai. Parce que, pour faire ça, mes bien-aimés, l'important pour nous éviter de dire des paroles à la légère. Et ça, qu'elle dit, bon secret en tout même, mon Dieu. Ou pas servir bon Dieu pour moun. Ou pas vin adorer pour moun. Ou pas vin l'église pour faire moun plaisir. Ou pas connecter sur réseau pour faire moun plaisir. Ou vin chercher yon bagay. Ou entrer dans une relation avec bon Dieu. Ou chercher bon Dieu là. Ou besoin de développer intimité avec bon Dieu. Et ça fait Seigneur Jésus déclarer dans le sermon sur la montagne. Il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement
celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 21, 23. Donc, mes bien-aimés, ce n'est pas pour faire mon ouais pour servir mon Dieu. Mais prudence pour gagner une relation avec mon Dieu, lui demander pour authentique, lui demander pour vrai, lui demander pour servir mon Dieu, pour sa bon Dieu y est, lui demander pour une caille mon Dieu, parce que vous connaissez, vous jouez nos bagailles caille mon Dieu, parce que vous connaissez, mon bon Dieu ça, et bien c'est lui-même qui a mené, c'est lui-même qui a bon son besoin, c'est lui qui fait route pour vous. Ou pas venir servir bon Dieu parce que moun, pour faire moun plaisir, pour faire X plaisir, pour faire Y plaisir. Non. Si c'est pour ça, dans le dernier jour, l'abdom pas de konon sorti chien. Parce que c'est pour moun ou t'ap servi. C'est pour moun ou t'ap gen une relation avec. C'est pour X, c'est pour Y, c'est pour pasteur, c'est pour diac, c'est pour apôtre, c'est pour prophète, c'est pour évangéliste, c'est pour moun saye de moun si on tap marché. Et pas de pas, mais pas de yem ou tap marché. Et pas pour même ou tap cherché. Ou dans nan relation avec bon Dieu, li mande pour vrai. Et li mande pour gagner une forme de sagesse. Ça veut dire que li mande yon bon sens. Pour de cela, qui c'est une forme de sagesse, les attiser la caille nous, un bon sens, pour que nous capables rejeter mes bien-aimés. Tout ça qui est capable d'entraver marche chrétienne nous, tout ça qui est capable d'entraver bonne marche chrétienne, à savoir bonne relation nous avec mon Dieu, eh bien nous devons rejeter yo. Nous devons camper loin yo. Tout ça nous connaît qui est capable de miner rapport nous avec mon Dieu, relation nous avec mon Dieu. Tout ça qui a empêché nous développer une bonne relation avec mon Dieu, eh bien c'est pour nous camper loin yo. Et ça fait dans le contexte ça, apôtre Paul, il prend le bon nom, il prend énoncer conséquences positives. Lorsque servir mon Dieu, lorsque une bonne relation avec mon Dieu, il n'est pas prêté sa conséquence. Il dit, nous ne serons plus des enfants flottants. Et emporté à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par le ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est ça le dit nous dans Ephésiens 4, versets 14 et 15. Donc, mes bien-aimés, je dis, dans tant de séduction que nous y là, si m'a pas gagné une très bonne relation avec mon Dieu, si m'a pas prudent dans la relation avec mon Dieu, ça veut dire que m'a pas gagné, m'a pas développé cette forme de sagesse, eh bien, qui ça peut arriver? M'a pas de colonne vertébrale, m'a pas campé, m'a pas gagné conviction, eh bien, mes bien-aimés, m'a pas le flottant. Et ça le dit nous, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés par à tout vent de doctrine. Je dis à vos paquets, on a. N'importe qui doctrine, n'importe qui parole, n'importe qui réflexion qui émet par au monde, et puis sortant de à tout, l'aller, les est flottant, les vins, un petit bateau, les sous de l'eau, vague la mener l'aller, la pousser là, à tout vent, dans tout vent, dans toute direction pour aller, les pas gain, colonne vertébrale. Prudence dans la relation avec mon Dieu, eh bien, il peut mener nous, mes bien-aimés, pour nous venir des chrétiens matures. Il peut mener nous, pour nous venir des chrétiens adultes. Et ça qu'elle dit, nos frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. 1 Corinthiens 14, 20. Et puis loin, il va le dire, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangère, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux 13, 9. Donc, mes bien-aimés, je dis, au besoin, prudence ça, dans le rapport nous avec mon Dieu, pour nous pas flottant, pour nous pas répéter des paroles, pour nous dire n'importe parole, pour nous prendre parole, mon Dieu, et puis pour nous prononcer à la légère. Pour nous virer dans toute direction, nous pas contre côté nous camper, nous pas contre qui nous nouer.
Ça fait un corollaire à déclaration que l'il fait dans Hébreux 13, 9 là. Eh bien, nous cadons que prudence, l'exiger la caillou, prudence dans la relation avec mon Dieu, l'exiger pour vérifier si ça y a d'où là, les conforme à enseignement Christ lui-même, les quitter pour nous. Tout ça qu'on attendait, tout ça qu'on a besoin de nous, l'important, mes bien-aimés, pour vérifier, yo, pour sonder. Parce que ou pas qu'à quitter, et ça fait nous dou, prudence en relation avec mon Dieu, les menons à venir chrétien mature, les menons à venir chrétien adulte, les menons à avancer, à grandir. Parce que l'ipral est important pour vous, pour vérifier, mes bien-aimés, tout ça y a dit, est-ce que les conformes à l'enseignement Christ là? Donc ça veut dire, correcte attitude pour chrétien aujourd'hui, c'est la prudence. Même gens, écoutez, ouais. Les gens, les habitants de la ville de Béret sont modèles pour nous suivre, mes bien-aimés. Ils ont scruté tout ça qui était venu joindre nous. Dans Acte 17, 10, 12. C'est attitude ça pour nous développer. Correcte attitude ça, mes bien-aimés, par rapport à la parole de Dieu. Mais pour nous finir, le Seigneur n'a pas de voyer disciples dans la gueule du loup. Lorsqu'il te dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais l'important dans le texte, ça, mes bien-aimés, c'est que il dit, moi je vous envoie. Lorsque il dit, moi je vous envoie, nous sommes déjà dans l'assurance d'être protégés, mes bien-aimés. Christ pas livré nous tout ni, je dis, pas pour contour. On a mis un monde ça, mais mon chien enragé ça, mais connaît bien qu'on pas pour contour. Christ assuré responsabilité, il n'est pas irresponsable. Il assume sa responsabilité, mais il nous faut aussi réfléchir. Sur la correcte attitude. Pendant que l'ivre est là, mais il pas doux agir comme un monde fou. Il pas doux pas fait acte de prudence. Car mes bien-aimés, toute bataille qu'on perdue, tout combat qu'on perdue, c'est parce qu'on est imprudent. Il pas demandé nous pour nous faire aucun acte de prudence. Il pas demandé nous pour nous faire aucun acte de folie. Je dis à, il est important pour nous prudents. Acte tête nous, acte frère nous yo. Ah bon Dieu, comme l'arbre, nous avons besoin de racines. Comme l'oiseau, nous avons besoin d'utiliser nos ailes. Donc la prudence, il mène nous à vérifier enracinement nous. Prudence, invite nous à garder qui côté au campé, qui côté au soudé, qui côté au branché. Et ça fait, il dit nous simples comme les colombes, mais nous pas parler de simplicité colombe là. La priorité, mes bien-aimés. Focus sous prudence, même Jacques Serpent. Mais bien aimé, la prudence de l'amour bannit la crainte. La foi de constamment inviter à déployer zèle, à l'ouvrir, à déployer. Alléluia. Je dis à m'inviter, c'est pour déterminer tout en restant conscient. De la portée du combat. Qu'on est que combat rude, mais en pile fois. Ou perd du bataille là, ou perd du combat, c'est parce que ou imprudent. M'a quitté à verser ça. Réjouissez-vous au contraire. De la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4, 13. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu garde, que mon Dieu protège et que mon Dieu passe à vous. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur.